L'Espagne et le Maroc se trouvent à un moment charnière de leur relation longue et complexe. L'année 2022 a marqué un tournant, avec l'Espagne approuvant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Cette décision a signalé un changement clair dans la politique étrangère espagnole. Elle a ouvert la voie à des liens diplomatiques, économiques et sécuritaires plus étroits entre les deux nations. L'impact de ce changement est significatif. Il reflète un nouveau chapitre dans les relations hispano-marocaines. Il s'agit d'une relation qui a été marquée par des périodes de coopération et de tension. Cette nouvelle ère de collaboration est animée par une convergence d'intérêts. Ces intérêts comprennent la stabilité régionale, la prospérité économique et la coopération en matière de sécurité. La décision de soutenir le plan d'autonomie du Maroc n'a pas été sans controverse. Elle a suscité un débat en Espagne et dans la région. Cependant, elle a également créé une opportunité pour un partenariat plus prévisible et mutuellement bénéfique. Ce partenariat est ancré dans le pragmatisme et une vision commune de l'avenir. Cette relation en évolution a le potentiel de remodeler le paysage géopolitique de la Méditerranée occidentale. Elle a également le pouvoir d'influencer le développement économique et la dynamique sécuritaire dans toute la région. Comprendre les complexités de cette alliance en évolution est crucial pour appréhender les changements géopolitiques plus larges qui se produisent aujourd'hui. La question du Sahara occidental est depuis longtemps une source de tension entre l'Espagne et le Maroc. L'ancienne présence coloniale de l'Espagne sur le territoire a créé un héritage complexe. Le Maroc revendique depuis longtemps la souveraineté sur le Sahara occidental. Cela a conduit à des différends et à des défis diplomatiques au fil des ans. La décision de l'Espagne d'approuver le plan d'autonomie du Maroc représente un développement majeur. Elle reconnaît les revendications du Maroc tout en soulignant la nécessité d'une solution politique. Cette décision a été saluée par le Maroc comme un signe de bonne foi. Elle a également ouvert la porte à une coopération plus approfondie sur un éventail de questions. Cependant, la question du Sahara occidental reste sensible. Le Front Polisario, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental, a critiqué la position de l'Espagne. La communauté internationale reste également divisée sur la question. Malgré ces défis, le rapprochement entre l'Espagne et le Maroc offre une lueur d'espoir. Un règlement négocié du conflit du Sahara occidental apporterait une stabilité indispensable à la région. Il permettrait également à l'Espagne et au Maroc de se concentrer sur leurs priorités communes. Au-delà de la sphère diplomatique, les liens économiques entre l'Espagne et le Maroc se développent rapidement. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont en constante augmentation. Cette croissance est alimentée par des investissements dans les énergies renouvelables, la construction automobile et le tourisme. L'Espagne voit le Maroc comme une porte d'entrée vers le marché africain. Le Maroc considère l'Espagne comme un lien crucial avec l'Union européenne. Cette interdépendance économique a créé une forte incitation à une coopération plus étroite. Les coentreprises et les projets d'infrastructure créent des emplois et stimulent la croissance économique des deux côtés du détroit de Gibraltar. Le secteur automobile est un excellent exemple de ce partenariat économique florissant. Les constructeurs automobiles espagnols ont implanté des sites de production au Maroc. Ils profitent de la main-d'œuvre qualifiée et des coûts de main-d'œuvre compétitifs du Maroc. Cette collaboration a fait du Maroc une plaque tournante pour les exportations automobiles vers l'Europe et au-delà. Alors que l'économie mondiale fait face à des incertitudes, la résilience du partenariat économique Espagne-Maroc est remarquable. Elle met en évidence les avantages mutuels de la coopération et de l'intégration régionale. Ce partenariat économique est devenu la pierre angulaire de l'évolution des relations entre les deux nations. Sécurité et frontières communes. La coopération en matière de sécurité est une autre dimension cruciale du partenariat Espagne-Maroc. Les deux pays sont confrontés à des menaces communes, telles que le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière. Ces défis nécessitent des réponses coordonnées et un partage d'informations. L'Espagne et le Maroc ont intensifié leurs patrouilles conjointes et leur coopération en matière de renseignement. Ils visent à lutter contre les réseaux de traite des êtres humains et à prévenir les activités terroristes. La gestion des flux migratoires à travers la Méditerranée est une question particulièrement urgente.
les deux pays travaillent ensemble pour s'attaquer aux causes profondes de la migration et trouver des solutions humaines. La frontière commune entre l'Espagne et le Maroc, à Ceuta et Melilla, ajoute une autre couche de complexité. Les enclaves ont été des points chauds de la pression migratoire dans le passé. Cependant, les efforts récents visant à améliorer la sécurité et la coopération aux frontières ont contribué à gérer la situation plus efficacement. L'étroite collaboration en matière de sécurité entre l'Espagne et le Maroc est essentielle au maintien de la stabilité en Méditerranée occidentale. Cette coopération ne vise pas seulement à répondre aux menaces immédiates, mais également à renforcer la résilience à long terme face aux défis communs. Section 5. Naviguer dans les eaux géopolitiques. L'alliance évolutive entre l'Espagne et le Maroc n'est pas passée inaperçue sur la scène internationale. Elle a suscité des réactions de la part des pays voisins, en particulier l'Algérie. L'Algérie soutient depuis longtemps le Front Polisario. Elle considère le plan d'autonomie du Maroc avec suspicion. Le refroidissement des relations entre l'Algérie et l'Espagne, à la suite du changement de politique de l'Espagne sur le Sahara occidental, a ajouté une couche de complexité géopolitique. Il souligne le délicat équilibre que l'Espagne doit trouver dans ses relations dans la région. En Espagne, la décision du gouvernement de soutenir le plan d'autonomie du Maroc a suscité un débat. Certains partis politiques et groupes de la société civile ont exprimé des inquiétudes quant aux implications pour les droits de l'homme et l'autodétermination au Sahara occidental. À l'avenir, l'avenir de l'alliance Espagne-Maroc dépendra de plusieurs facteurs. Ces facteurs incluent l'évolution de la question du Sahara occidental, la capacité des deux pays à gérer leurs différends avec l'Algérie et le climat politique intérieur en Espagne. Malgré les défis, le renforcement des liens entre l'Espagne et le Maroc représente un développement significatif en Méditerranée occidentale. Il a le potentiel de favoriser une plus grande stabilité, prospérité et sécurité pour les deux nations et la région au sens large. Cependant, naviguer dans les complexités géopolitiques et relever les défis restants nécessitera une diplomatie prudente et un engagement continu en faveur du dialogue et de la coopération. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.